Comment réussir tout ce que tu veux dans la vie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Pierre de l'Académie de la Haute Performance. Déjà, avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous. Et voilà. Et alors, comment réussir tout ce que tu veux dans la vie? Je vais juste te partager une anecdote que j'ai eue récemment. J'étais avec une personne qui était vraiment brillante, qui était intellectuelle, qui était d'un niveau, voilà, qui avait deux doctorats, qui avait plusieurs agréments. Et waouh, j'étais vraiment impressionné par l'intellect de cette personne. Et plus on parlait, et plus le temps passait, et plus je me rendais compte à quel point la personne avait fait ces choses-là pour avoir cette réussite sociale, et à quel point en fait cette personne était malheureuse. Et donc j'étais vraiment très, très attentive à elle, et j'étais vraiment à l'écoute parce que je sentais qu'elle avait besoin de partager. Et puis moi, d'un autre côté, j'apprenais énormément de choses aussi. Et là, je me suis dit, ok, cette personne a développé un très grand QI, un quotient intellectuel, de l'intelligence mathématique et linguistique, hein, selon les 8 intelligences de Howard Gardner. Mais par contre, son quotient émotionnel était pourri. Enfin, pourri, était vraiment très bas. C'est-à-dire que cette personne-là ne se rendait pas compte à quel point tout ce qu'elle avait fait à côté, pourquoi c'était au final, c'était pourquoi elle cherchait cette réussite sociale? Pourquoi dans la vie, des fois, tu vas chercher une réussite sociale? À la fin, tu vas ressentir quoi? Qu'est-ce que tu vas ressentir à la fin? Et simplement, cette personne-là, en croyant allant chercher la réussite sociale pour peut-être avoir de la reconnaissance de ses parents ou de la société, etc., au final, ce qu'elle veut juste ressentir, c'est de la fierté envers elle-même, et au bout du bout du bout, c'est d'être heureux. Donc, comment réussir tout ce que tu veux dans la vie en général? C'est tout simplement en étant heureux. La réussite, c'est simplement être, selon moi, être heureux. Quand tu es vraiment heureux, tu as tout réussi en fait. Pourquoi tu veux réussir socialement? Pourquoi tu veux réussir sportivement? Pourquoi tu veux réussir professionnellement, financièrement? Tout ce que tu veux, à la fin, c'est juste pour ressentir un sentiment de bien-être et de plénitude absolue. Donc, autant le faire dès maintenant, peu importe les circonstances extérieures et peu importe le niveau que tu as, que ce soit en termes de... que ce soit en termes de diplôme, de métier, etc. On s'en tape en fait de tout ça. Parce que le but final, c'est d'être heureux. Donc, choisis d'être heureux maintenant, de dire que là où tu en es aujourd'hui, tu as déjà la réussite de toi, ton point de vue, et qu'après les choses vont se faire naturellement. Tu as cette intention d'évolution qui est la base pour un être humain. Un être humain, il est heureux quand il se voit en train d'évoluer. Donc, tu as cet objectif d'évolution en lâcher prise totale. Tu l'as, tu l'as pas, c'est très bien. Et voilà, tu fais les choses tout simplement. Mais être heureux, c'est vraiment, pour moi, c'est ça la réussite. Un être humain qui est ultra riche financièrement, qui a des super métiers, qui sont reconnus socialement, mais qui au fond est malheureux, pour moi, il est passé à côté de l'essentiel de sa vie, et qui est simplement ressentir des émotions de bien-être et de bonheur. Donc voilà, allez, si cette vidéo t'a parlé, pense à la partager, à la commenter, à la liker, à la disliker, et va plus loin en dessous si tu as envie d'aller un petit peu plus loin. Allez, ciao!